Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Ocarina Eight. Station spatiale. Continuer de prendre des vacances. Des vacances. Bon bah voilà, dans la dernière vidéo, on n'avait pas terminé cette gacha. Gacha, donc du coup on la termine. Magnifique. Comme ça, c'est bon. On n'oubliera pas. On se dira pas. Oh bah alors. Alors l'étoile filante bleue. Un kit de peinture. Waouh. Et une étoile filante verte. Bien joué! C'est bon, nous avons terminé, donc on va pouvoir retourner affronter des petits trancheurs, là. On va leur trancher la tête. Et il n'y a pas que des trancheurs. Je pense que les trancheurs, ils étaient que dans le niveau. Ouais, de toute façon, ils sont que dans le niveau. Du coup, on les reverra plus. On ne les reverra plus jamais. Donc maintenant, il est temps d'aller à l'usine de Monsieur Pignon. Espèce de champignon. Pignon. C'est l'usine Toad de Mario Kart Wii. Champignon. Oh, pardon. Ah, c'est la musique de Monsieur Kimono en plus. Incroyable! Alors, as-tu déjà visité une usine de fabrique de champignons? Pas de champignons. Ah oui! Ah, mais les autres, oui, pas problème. Mais celle de champignons, tu visites pas. Eh oui, désolé. Je suis un peu déçu. Alors lui! Oh, on peut monter, peut-être. Attends, on a trouvé plein de trucs. Ah non, ok. Il y a quoi là-dedans? Des cœurs. Ah là, ça sent la première fleur. Bon, ce serait bien de récupérer éventuellement la petite pièce. Toi, tu as déjà visité une usine de champignons? Non, jamais. Et les autres? Non plus. D'ailleurs... Oh, nul. Bah si, j'en ai visité une dans Mario Kart Wii. Ah, bah alors tu vois une usine de champignons en plus. Ouais, et en plus... Usine Toad. Moi aussi, je l'ai visité du coup. Oh non. Ah mince, ça va jusque là. Bien joué. Toutes mes félicitations. Attends, là, peut-être des trucs cool, non? Allez, lui, je le tue en particulier. Allez, la roulette. Mais oui, bien sûr, vous avez pas le droit de faire ça. C'est interdit. Oh, wow. Incroyable. Wow. Exactement. Petit à petit... Transformant Yoshi. Ouais aussi. Nid de Yoshi avec plein de. Je sais pas. Est-ce qu'il récupère Yoshi pour faire son nid? J'en sais rien. Il récupère du titane, je suppose. Les nids de Yoshi tous faits en titane. Je comprends rien de ce que tu fais. Matériel solide. Wow, 4 d'un coup. Oh non, il y a le feu, il arrive. Quel dommage. C'est pas grave, on avance. Attention de pas te faire écraser. On avance, en silence. Regardez, oh j'allais dire, regarde, ils vont nous donner des petits cœurs. Rien du tout, oui. Ah regarde, c'était la, c'est la même usine que celle de Sonic Heroes, la Power Plant. Ah, Monsieur Pignon, vous avez masqué. Eh oui. Vous êtes autre que Monsieur Eggman. C'est tout que Monsieur Espèce de champignon, Eggman. Ah là 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 là, regardez-le. C'est pas un champignon, c'est un œuf. Du coup, il essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. L'omelette aux champignons, voilà, c'est exactement ça. Ah la fameuse. Ah la fameuse, oui. Ah là là là, quel coquin. Ce Eggman. Oh. Mais t'inquiète, je ne crains pas le feu parce que je suis un Yoshi inifuge. Oui. Oh non. Ouais. Ah, parce qu'il y en aurait d'autres, des petites pièces. Oui. Mais carrément. Il va bien jouer. Ah, le petit cadeau, pas caché pour une fois. Et ça, ça fait plaisir. J'ai eu peur pour toi. Mais n'aie pas peur, je suis inifuge, j'ai dit. Je suis un cupcake inifuge. C'est bien. Bah oui, t'as cuit au four. Voilà, on dirait plus un macaron qu'un cupcake. T'as cuit au four, maintenant c'est bon. Moi, je sais plus c'est quoi, en fait, le nom du machin. C'est une pâtisserie à la menthe. Pâtisserie à la menthe, oui, voilà. C'est... Cupcake, pâtisserie, tu sais pas. Il y a un cupcake, pour de vrai. Oui, oui, il y en a un. Il est plus fort, d'ailleurs, que... Mais bon, il est moins joli que la pâtisserie menthe. Oh, il y a quelque chose là. Il y a un truc, oui, effectivement, non. En même temps, après, une fois que t'es là, comment tu fais? J'essaye de t'aider, mais c'est difficile. Oh, bah merci. Trop d'aide comme ça, je ne sais que dire. Ah, bah c'est parfait, c'est terminé. Il nous manque encore un wow. Ah ouais, il nous manque encore un wow avant de pouvoir affirmer que... Tout est bien fini. Oh. Pour résister, oui. Donc là, ce qui nous sourit. Attends. Ah, regarde ces magnifiques cœurs. Ah non, bah non, c'est. Wow. Voilà, exactement.
C'était le wow de la vidéo. Incroyable. J'espère que vous aussi, quand vous jouez aux jeux vidéo, vous êtes comme ça, en mode wow. Wow, j'ai fini. Ça vient tous les cœurs, j'espère. Au cœur, wow. Oui, je sais pas pourquoi t'as été abandonné comme ça. Ah, on va affronter le docteur champignon. Je suis le champi. Encore vous. J'en peux plus de vous. Vous n'irez pas plus loin, c'est compris. I got a master plan, I'm the champi. I'm a pignon. I got a master plan. Ah, il a la même moustache et les sourcils et... Oh là là là, oh bien joué, magnifique, vous êtes en train de détruire Monsieur Champignon. Oh mais oui, bah bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Reste en dessous. Qu'est-ce que vous faites là? Il en manque un. Que faites-vous ici? Ah c'est bon. Voilà, on change de place bientôt là. Vous avez détruit Monsieur Champignon, Mais non, pas besoin de changer de place, parce que d'abord c'est la petite danse de la victoire, voilà. Je croyais qu'il aurait trois phases, tu vois, que Kamek reviendrait lui redonner des... Mais non, désolé, monsieur Champignon, il est pas très fort. Je... Mais non, bah oui. C'était un pignon de pain, même, on pouvait dire. On dit pignon. Oui, c'est pas grave. C'est le pignon de pain. Bravo! Et voilà, vous pouvez aller dans le monde final. Qui n'est autre, que le château de Bouézer. Ah, le fameux. Oh, il y a un essai gratuit. Ah oui. Alors, le super art, il est joli quand même, le super art. Il est très impressionnant. Alors, est-ce qu'on va gagner le super art? Ah bah, j'espère qu'on va gagner si le super. Si vous pensez qu'on va avoir le super art, mettez-le en commentaire. On aura pas le super art, là. C'est un verre en premier, normalement. Bah oui. Ah, dommage pour le super art. Barrière, bon, bah, c'est la barrière anti-œuf rare. Anti-trancheur. Anti-trancheur, bien sûr. Évidemment, elle tient pas très longtemps, la barrière anti-trancheur. Je pense pas. C'est fini. Elle est un petit peu nulle, votre barrière anti-trancheur. Alors, Bowser, c'est Bowser qui nous écrit. Cher Koopa, moi, maintenant le maître du royaume des champignons. J'ai invité la princesse à rester dans un de mes 7 hôtels de Koopa. Je parie que vous ne pourrez jamais la retrouver. Compteur de sommeil, rien pour lui là. Ah ouais. Ah c'est bon. Oh là 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 là, je revis, je libère la route. Hop hop hop, boing boing. Regardez, j'ai mis la salopette de Mario. Merci beaucoup, qu'est-ce qui t'amène par ici, dis-moi? Bah on va chez Bowser, comme d'hab, hein, on prend le goûter. Ah, tu cherches 10ème de Bowser? Oui. Ah, j'ai plus un objet de Ryu est tombé là. Prends la route, tu tomberas dessus, je suis sûr. Tu ferais mieux de te dépêcher, l'individu en robe bleue, t'allais voir c'est. C'est parti. Ouah. Oh là 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 là. Mais si vous me dites que le Bowser il devient géant, moi je sais plus quoi dire là. Ah, parce que... Oh là, c'est incroyable, quand même. Et franchement, quelle originalité! J'aime beaucoup les éventails derrière! Quelle originalité! Sérieux, c'est quoi? Oh, tu penses que c'est Giga Bébé Bowser? Oh là là, si c'est ça, moi je sais plus quoi dire. Non, je pense pas. Ça serait tiré par les cheveux. Oh, et une puis... gemme, comme par hasard! Et puis franchement, ça arriverait jamais, quoi. C'est bon, on l'a trouvé! Ah, mais pourquoi vous avez ramené ça? Mais n'importe quoi, les Yoshi! Oh là là! Mais depuis le début, on faisait ça bien! Et pourquoi vous avez fait ça, les Yoshi? N'importe quoi! Ah, mais non. Mon plan, il s'est exécuté avec perfection! J'avais le maître des plans, effectivement! Merci d'avoir fait le travail à notre place, mes chers Yoshi! Nous avons réussi! Le vœu de son éminence va être exaucé, c'est de devenir plus grand! Il est bon de savoir que nous n'avons pas fait tout ça pour rien! Grand tir de J'étais caché! Yeah! Donne-moi la gemme! Il est tout petit! Il est tout petit en fait! C'est pour ça qu'il veut grandir! Oui. Allez, je veux 5 cm en plus. 5 mètres! 5 mètres! C'est bon! Lui, il veut pas que ça se voit pas. Ça se voit pas trop, 5 mètres, c'est bon! Allez-y! Quel est votre rêve? Mon rêve, c'est de détruire tous les Yoshi! Mais avant, 5 cm en plus! Plus grande, j'ai dit. Plus grand. Ouais, plus grande, je sais pas. Et pourquoi il devient méchant? Je veux dire, on a même pas fait de vœux encore. Je veux devenir Giga Bowser! Non, il veut juste un robot. Et c'est un mauvais vœu? Franchement, pourquoi ce serait un mauvais vœu? C'est juste un robot. Bah oui, plus, franchement, il est... Il peut en faire tout le temps, Kamek. Il est bizarre, son vœu, Bowser. Ouais, mais c'est parce que Kamek veut pas.
Ah oui, c'est vrai que... Que mec, c'est un gros nul, c'est pour ça. On est bien cachés dans nos gâteaux. Le maître des plans. Oh, ils vont manger les Yoshi qui sont pas venus dans l'aventure. Non, ça va, ils les ont juste jetés par terre. Incroyable, les crocos. La couronne, évidemment. Oh, non, franchement, je comprends pas pourquoi c'est un mauvais vœu. Miaou. Ah là là, il a même des gros sourcils, mais c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est comme mon dessin. Youpi. Salut les Yoshi, moi. Bon bah finalement, ce n'est pas un Bowser qui devient géant, mais c'est incroyable. Wow. Mais non, mais c'est incroyable. Wow. Mais non, mais c'est la suprématie Bowser. Bowser. Allez, le Bowser. Oh, il, il a toujours ses voitures, hein. Il a toujours eu une passion pour les voitures, Bowser. Comme quoi. Les robots, les... Ces machines du mal, il attaque et il esquive, rien n'arrête, Bowser. Je crois que je vais pas dans le bon sens. Non, tu peux pas les attaquer, visiblement. Ah, vous avez fait mal au petit Yoshi. Ah, les picots, hein. Ouais, tu peux les attraper, hein. Allez, à toi de jouer! Ça doit lui faire mal quand même. N'oublie pas de prendre les cœurs. Les cœurs servent à rien! Bah si, à avoir le rang final à la fin. Y'a pas de rang final. Mais si! Laisse-moi y croire! Oh, dommage. Bienvenue! Bien frapper dans la cloche. Au jeu! Et alors, ça, c'est des missiles. Non, 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 vous êtes pas en train de dire que je peux faire ça. Mais si. Mais c'est bon. Y'a plus de respect. Allez, boum. Ah oui, les petites pièces. Ring pas. Non, vous avez battu le jouet de Bowser. Oh, vous l'avez cassé si vite. Pourquoi le jouet il est cassé si le but c'était juste de frapper Bowser? Enfin, techniquement, il devait déjà être cassé avant. On a cassé des choses quand même. On a cassé Bowser et des choses. On a cassé les voitures. Qu'avez-vous fait, son excellence? Vous en faites pas, je vais vous aider, je vous transforme en géant. Mais non. Oh, soleil, au rêve, je souhaite que sa suprématie soit encore plus puissante. J'ai bégayé. Oh. Ouais. Oh, j'en ai peut-être un peu trop fait. Ouais. J'ai eu l'impression de déjà vu. Mais non, t'imagines des choses, franchement. Ah, je sais pas. C'est original. Ah bah oui. En jean. Oh, pourquoi attends, tu connais le Bowser avec roulette intégrée. Ouais, la gacha Bowser. Ah, c'est pas une gacha. Pourquoi il y a... Méga Bowser. Bébé Bowser. Tu vois, c'est pas le giga, c'est juste le méga. Oh. Allez, tourne la roulette. Non, on peut pas tourner la roulette. Tourne la roulette, tourne. Oh, ouais. Je crois qu'il allait me frapper. Attention, il envoie des petites étoiles mignonnes. Oh, une étoile dorée. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Avoir des œufs, j'imagine. Oh! Bah, il m'a carrément raté! Ah, je peux lui envoyer un marteau dans la figure. Tu dois le refrapper après? Ah, je dois appuyer sur le bouton, je pense. Oh, le pauvre. Voilà, tu lui as fait 9000, tu lui as et fait... Et il lui reste ça comme PV. Ça va. Ah, il faut encore le frapper, en fait. Mais c'est trop méchant. Allez, frappe, frappe. Frappe encore. Oui, bien joué, vous avez gagné. Enfin, ou pas, parce qu'on a perdu le marteau. Mais... Allez, Bowser, faut donner plus de marteaux. On a besoin de plus de marteaux. Non, pas les metteurs, on s'en fiche des metteurs, ça sert à rien. Ah, oh là là, le giga metteur, je peux pas le frapper. Dommage. Ouf! Super Bowser! Il est content. Oh, les grosses boules de feu. Vas-tu réussir à éviter les grosses boules de feu? Carrément. Allez, le marteau! Mais non, pas les étoiles mignonnes! Pourquoi tu envoies des étoiles mignonnes, Bowser? Parce qu'on est des œufs quand on est solo. Bon, mais enfin, c'est que les étoiles jaunes qui donnent des... Ah, voilà. Les missiles... Alors, un sur le côté, et un autre sur l'autre côté. Tu l'as... Je l'ai plus ?
Non, il est revenu. Ah bon. Si, c'est bon. Bon, je voudrais... Bon, attends, c'est pas grave. Je vais continuer de le frapper. On est trop méchant. Non, le dernier coup, il est pas parti avec l'autre. Ah, c'est bon, tu peux encore l'utiliser. Ah, il est trop loin. Oh, j'espère que ça va pas casser notre machine. Non, ça va, il tient bien. Vite, là-haut. Non, ça va. Oh, ouais. Non, peut-être qu'il fallait l'attaquer. Non. Ah, il l'a cassé. Il a cassé notre belle machine. C'est pas grave, mais il nous donne un nouveau jouet. Vite. Un. Allez. Un là, et l'autre là. Allez, c'est l'heure du... Oh non, il faut retourner chercher les gemmes. Le gars, il se fait dégommer, le pauvre Bowser, quoi. Il peut rien faire. Il essaie de retirer, mais... Non, il a pas le temps. Ah non, arrêtez de me frapper, ça se fait pas. Mais oui, pourquoi on le fait? Oh, j'ai perdu mon chapeau. T'as perdu ton cadeau, ton gâteau. Ah, c'est trop triste. Je l'ai mangé, j'avais faim. J'ai l'air spot the main character. Ah bah si je suis le main character, ça va. Oh, il est tout petit. J'avoue. Comment je vous pue, pauvre ce n'est qu'un enfant. Avec les attaques rodéo, bien sûr. Notre revanche sera terrible. Il faut pas se venger. Ah, faut pas crier comme ça, qu'avec. Notre revanche sera terrible. Ça n'a aucun sens de faire ce cri. Oh non, il est malade. Allez, va Yoshi Vert, refais tes petits dunks. Là, on sait que tu en... Ah, t'es trop mignonne avec ton petit machin. Merci, c'est gentil. Oh, le dunk final. Ah bah non. No fun, hein, Yoshi Bleu. Ah, ça va mieux. Et c'est ainsi que le salé rêve fut rendu au Yoshi. Mais... Il fit le souhait d'avoir plein de gâteaux. De retourner chez eux sur leur île. Ah oui, bah mais c'est... vous mettez 2 secondes pour y aller. Pourquoi vous faites ça comme souhait? Mon gâteau. Mon gâteau. Ah bah fallait le manger comme moi. Ah, il était plus bon, on a dû le jeter. Ah, on retourne dans un Bélixo. Mais non, on a créé... L'observatoire et pourquoi de ce vœu, il est gentil et le vœu de Bowser, il est méchant? Je veux dire, là, on est en train de construire un bateau. En fin de compte, c'est comme un robot, mais en bateau. Avec un crayon. Oui, mais le crayon, il était tout le temps là. Ouais, mais c'est quand même un bateau méchant, un peu. Mais donc, on construit l'observatoire pour Harmonie plus tard, tu comprends? Je vois. Pourquoi il y a des vêtements? C'est le vêtement de qui? Mais il était déjà le vêtement de Yoshi Vert, je pense. Hein. Oui. Allons-y. Yes. Très content, Yoshi Violet. Et voilà, ce sont les crédits. Donc voilà, c'est la fin de Yoshi's Crafted World. Enfin, le scénario principal, plus du moins. Oui, parce que bon, on n'a pas fini. Il y a encore plein de trucs à faire. Franchement, ce jeu, il est... Bah, franchement, il est trop... long. Il est long, ouais. C'est vrai qu'il est long, pour le coup. Mais il est plutôt agréable, honnêtement. Je trouve que le mode de joueur est beaucoup plus agréable que Woolly World. Mais ils ont fait vraiment plein de trucs par rapport à... Même pas forcément Yoshi Woolly World, enfin si aussi, mais par rapport aux autres Yoshi, franchement, ça rend le jeu vraiment super agréable. Le simple fait d'avoir le costume qui te permet... De garder les cœurs et de pas les perdre... Enfin, de pas devoir faire le niveau exactement parfaitement. T'as le droit quand même à perdre un peu, quand même, c'est plutôt sympa. Après, comme je le dis, de toute façon, si jamais vous êtes plus à fond sur le fait que « Ah, moi j'aime pas trop », c'est pas grave, vous pouvez toujours ne pas utiliser le costume. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool, parce que c'était le truc que j'aimais pas trop dans les Yoshi, qui était de faire le niveau parfaitement. Sans... Enfin, voilà quoi, et... Mais ça va, c'est un jeu tout mignon. Au début, j'étais en mode « Pourquoi Crafted Yoshi, il est bizarre et tout ?» Mais bon, non, ça va. On s'y habitue. Ouais, non, mais franchement, ça rend les trucs vraiment sympas. Ça fait des petits dioramas. Ils ont eu de très bonnes idées au niveau du... Enfin, le jeu, graphiquement... Enfin, je parle
de ses origamis, de ses constructions. Oui, oui, non, mais... Vraiment, c'est très, très, très joli et... C'était très agréable à parcourir. Mais franchement c'est génial comme jeu, parce que ça donne envie de refaire tout ce qu'ils ont fait, des petits trucs comme ça. Mais je vois des gens qui s'amusent à le faire, même pour Kirby au fil de l'aventure, des gens prennent des screenshots d'un moment et ils essayent de le refaire en couture. Mais franchement, c'est vrai que c'est vraiment super cool. Après, le jeu est sympa, il est vraiment très long par contre, comme on le dit. Non, hein. Franchement, les trouvailles, je pense que c'est de trop... Je comprends pas l'intérêt des trouvailles. Bah, j'ai pas de soucis avec les trouvailles, mais le problème des trouvailles, c'est pas qu'il y ait des trouvailles, c'est le problème des trouvailles, c'est que t'es obligé d'aller les chercher une par une. Alors que si tu pouvais toutes les avoir d'un coup, et puis tu vas les chercher... Voilà, ça aurait été sympa, honnêtement, ça aurait pu être un peu plus sympa. Bon, bah, pour le coup, ils ont voulu tenter un autre truc. Ça marche à moitié, on va dire, mais... Bah, je reste pas convaincue, je vois vraiment pas l'intérêt des trouvailles, puisque si c'était pour reparcourir le niveau, bah, justement, il y avait les Tipucci, du coup... Mais les Tipucci, c'est plutôt sympa, ça, par contre. Mais les Tipucci, c'est rigolo, oui. Tipucci. Ah, ils nous en ont fait baver quand on voulait chercher les trouvailles. C'est-à-dire que quand on a fait les quêtes des trouvailles, on voulait pas prendre les Tipucci pour que, comme ça, on puisse vous le montrer tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans une future vidéo. Toujours tout à l'heure. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce let's play, en fin de compte. Ah oui, c'est vrai, hein. Si ça se trouve, vous allez enchaîner les vidéos, et puis bref. Voilà. Et le Tipucci bleu, il fait que nous foncer dessus, du coup on n'arrêtait pas de le récupérer par hasard. Petit Tipucci bleu, ouais, c'est le meilleur. Hein. Lui... Par erreur, je voulais dire. Mais, par ailleurs. Et voilà, les Yoshi sont arrivés. Non, franchement, il y a plein de couleurs de Yoshi, c'est plutôt cool. Franchement, s'il y a Yoshi blanc et noir ou s'ils sont définitivement perdus. Ouais, je pense hein, quand même qu'ils sont définitivement. Les Yoshi retrouvèrent leur douce maison. Et ça, c'est beau. Enfin, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ils ont pas une très grande maison quand même. Ah ouais, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, il y a l'orage qui se lance, c'est génial. Merci d'avoir joué mon jeu. D'avoir joué mon jeu. Ah bah c'est ce qu'il dit, Mario. Et voilà, magnifique. Bravo. Mais bon, voilà, tout n'est pas encore terminé, parce que, voilà, la Terre des Secrets, voilà, je vais dire, il y a forcément un dernier truc. Osez-vous relever le défi, vous devez maintenant participer au défi du boss dans les stages de boss. Ah, du coup, il va falloir refaire les boss. Bon, bah, s'il faut refaire le boss, ça non plus, on va pas vous les montrer, on les a déjà fait, c'est bon. Hein? Oui, mais ce ne sont pas les mêmes boss, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, oh, je sais pas, hein. Je suis sûr que c'est les mêmes boss avec une petite gimmick différente, genre il crache une boule de feu en plus, c'est ça? Et voilà le royaume secret! Avec trois petits niveaux. Pendant ce temps, chez les Yoshi. Mais bon, on revient. Finalement, on a décidé de revenir, c'était sympa. Ah, ils sont gentils les arbres de s'écarter pour le bateau. Ah, j'ai récupéré mon gâteau. J'en ai cuisiné un autre, c'est bon. Salut, c'est toi Yoshi. Je m'en doutais. Je suis Petit Bricolo. Ça te dit de jouer à cache-cache? Je vais me cacher dans les stages et tu viens me chercher, d'accord? Non. C'est parti. Non. C'est trouvaille, mais... Non. Encore? C'est caché, si vous l'apercevez, lancez-lui un 9. Mais non, mais vous êtes pas sérieux, là, encore, là, non. Non, ça rajoute pas encore des trucs, là. Attendez, là, je veux juste voir le Covid, vite fait, là. Bah si, il est là. Il est là, mais... Cache-cache. Non, mais franchement, ce jeu est vraiment trop long, là. Non, je vais pas y aller, c'est bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va aller. Bah, je vais mettre mon costume. Ah oui, c'est vrai, t'as plus de tenue. Ouais, je l'ai mangé. Comme on n'a pas bake cake for Mario. Pâtisserie à la menthe. Bref, voilà. Bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye bye.